désolé. J'avais pas vu qu'elle était allumée la caméra. Ce jeu est le plus violent au monde, mais aussi le plus attendu au monde. C'est pas pour autant qu'on va faire la même chose dans la vraie vie. Perso, moi, je l'ai terminé. Vas-y, mec, t'es tringue. T'as déjà fini le jeu? Ça fait même pas une semaine. Oh là là! Non, je suis pas un geek. Non. Non, c'est... non, arrête, tu mens. Allez, vas-y, un tout petit peu, allez. La question qui revient souvent et que je trouve tellement stupide. Ah oui, moi je trouve ce jeu hyper violent, quoi. En plus, ça inspire les jeunes à faire comme eux. Non, mais vous êtes sérieux là? Mais vas-y, toi, va braquer une voiture de cette façon. Oh shit! Merde, elle démarre pas. Non, encore mieux. Get off my car, man! Dans le jeu, ça a l'air facile, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Get off my car, man! What the fuck, man? Get off my car! Admettons, ok, tu vois un passant, tu lui fous un coup de poing dans la tête, il meurt. Il suffit pas de faire un code pour que les flics se cassent. Police! Mais dans la réalité, les flics ils te lâchent pas. Police! Par contre, c'est vrai que nous les mecs, on a tendance à oublier nos meufs. Hein, quand on joue à ce jeu, on est dans un autre monde. Hein. Chérie, ça fait déjà 3 jours que tu joues. Vas-y, stop là, c'est bon, viens te coucher. Viens te coucher. Ah bah tu sais quoi? Baise avec ta console, espèce de connard. Petit con. Si toi aussi tu kiffes ce jeu et que tu l'as terminé la première semaine de sa sortie, partage ma vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur ma page Facebook. Et encore une fois, ce jeu ne rend pas violent, c'est pas vrai du tout. De faire quoi, hein? Tu veux faire quoi? De faire quoi, hein? Nique ta mère police, nique ta mère police. Oh merde! Oh shit! Tu manques!